Hey, salut à tous, c'est Uzo, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 3 de Dead Island Definitive Edition. Alors, rappelez-vous, on s'était arrivé au phare, on avait sauvé un petit couple, et du coup, bah, en reprenant la partie, j'ai été téléporté au lifeguard. Bon, rien de très embêtant, sachez-le, mais du coup, ça va nous permettre, bah, du coup, peut-être de rendre certaines quêtes. On va chercher 4 pièces, donc celle-là, on l'avait, je crois, fait, hein. Apporter le collier à Jenin. Résurrection de Lazare, je crois que je l'avais faite. Donc je peux lui rendre normalement la quête. Voilà. Wow, great job. Nice. Now just give me a sec and I'll get this bitch running. Voilà. On a rendu le véhicule, on va le réparer. Et là on peut, je pense, rapporter le collier à Jenin. Si je la retrouve, c'est Jenin. Ah, Margaret. Right. Ah, elle est là, la Jenin. Yes, this is it. Oh, thank you so much. Here's the reward I promised. Thank you. Allez, même pas un petit cadeau en... Oh, un hachoir. Par contre, ça c'est intéressant. Je commence à avoir la main aussi un petit peu sur sur ça avec une arme à main de main. Quand vous donnez un coup de pied, bah écoutez, on va faire escribeur, hein, parce qu'on aime, bien les armes à une main. Et oui, je regardais l'inventaire. Qu'est-ce que j'ai à jeter? Alors, j'ai une planche à clous qui m'est complètement inutile. Mais vraiment inutile. Et du coup, je pense que je peux me permettre de prendre le hachoir. Voilà, il me sera bien plus intéressant. Et je vais continuer à prendre un petit... le marteau. On va le finir, dans tous les cas. On fera on refera le tour après. Pour les quêtes, donc aller au phare, apporter du carburant, ouais, suivez Collins, histoire de famille, trouver Maggie. Allez, on va aller au phare, c'était ce que j'avais dit, donc c'est parti pour le phare. Ah oui, c'est vrai, ça s'ouvre normalement. Et on repart vers le phare, on a 300 mètres à peu près. On espère trouver peut-être un véhicule sur la route. Enfin, je l'espère. Ouais, toujours ce petit blur motion. J'ai toujours pas trouvé le moyen de le désactiver, mais en même temps, ça rend un peu du charme. Mais des fois, ça fait des effets de flou un peu inutiles dans certains moments. C'est les zombies qu'on avait tués. Ils ont pas repop. Tant mieux, même. Par contre, je vais peut-être aller chercher le mari, voir ce qu'il est devenu. Ah non, il est là, lui. Ok. Il y a quand même des zombies qui ont pris vie. Ok. Allez, viens là. Allez, on va reprendre un peu d'ordu là. Ok. Les armes contendantes. Ça marche bien. Allez hop, on coupe des têtes. Et ouais, on coupe des têtes. Il y en a une qui est pas morte, je sais plus où elle est. Rappelez-vous, on avait sauvé ce couple juste ici. Bon, il a dû se transformer, je pense, depuis. On va sortir le véhicule. De toute façon, on va le réutiliser par la suite. Ok. J'adore ce jeu, la musique qui en ressort et tout ça. Corps de Roger. Voilà. Bah écoutez, on s'est fait Roger du coup. Il est mort. C'était sûr et certain de toute façon qu'il allait mourir. Mais c'est cool, c'est que tout repop, on peut récupérer du coup les sous, les objets qu'on a pu récupérer déjà. Bon, franchement, c'est pas mal. Même la batte de baseball, vous voyez. Bon allez, hop, on prend le petit véhicule, on va au phare. Allez hop,
Par contre, les décors sont pas du tout destructibles, ça c'est vraiment chiant. Et même les compteurs, regardez le compteur de vitesse et tout ça n'est pas du tout dynamique. C'est une honte, s'il te plaît. Oh, bon, par contre, je conduis très mal, hein. Ok, hop. Oh putain. Ça c'était un accident tellement buggé que j'arrive même plus à tourner. Ah ah. J'arrive plus du tout à tourner là. Bon, je crois que j'ai niqué le véhicule carrément. Ah mais j'ai dû le niquer je pense. Non mais bon, ok. Encore, j'aurais cru peut-être à la DayZ ou à l'Arma, tu sais, tu perds un pneu ou un truc comme ça, mais non, en fait, c'est. Véhicule buggé. Bon, on rentre en phare, on va rencontrer. On prend une petite canette de coca, allez, tranquille. Et Where the hell did... On peut faire des affaires, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas du tout, les amis. Bonjour à vous. Allez, on prend une petite boisson. James is at the top of the lighthouse. Go see him. Okay. Stephen is looking for me? Oh, I wish he had come with us. I'm worried about him. Could you please tell him that if you see him? That I miss him and I wish he were here with me right now. Il est mort en fait. Indiquer à Stephen, ouais mais il est mort. Ah, la quête un peu glauque quoi, mais du coup je suis déjà y aller en fait. Bon, j'irai tout à l'heure. Tuer le temps, aider Mike et Dominique. Chercher le mari de Kelly, parler à James avant de la tour. Faut que je fasse cette quête avant tout. Ah, pour monter tout en haut. Holy shit, you're alive? Ouais, je suis en vie mec. I'm James. You don't know me, but I sure remember you. Me and Cinnamoy had a slight difference of opinion. He wanted to stay put and wait for help. I wanted to get the hell out of there. So I got the hell out. Now, we're working on setting up the lighthouse to signal for assistance. We sure could use your help. Absolutely. Now, if you want to get off this island with the rest of us, go talk to my people. See what you can do to help, okay? No problem. No problem, man. Toujours un plaisir d'aider les gens. Petit enregistrement. I'm approaching the location where I'm hey, to meet my informant. Come a little closer. Unlike Cinnamoy and his crew, we're not content to sit in our butts and hope that help's on its way. Vous avez quoi avec ces lunettes? Ils ont tous les mêmes lunettes et la même gueule. Far up the coast, there's a couple shipwrecks. The result of that monsoon that came through. I'm thinking they might have supplies, including signal flares. When help finally does get here, like maybe the military, we need a way to let them know where we are. You interested in a little salvage work? Ouais, bah on prend sure. Maximum de quêtes. Good. And when help finally does get here, and we get their attention, I guarantee a first spot on the chopper. Ouais, on connaît, hein. Vous nous promettez monte et merveille, mes amis, et il n'y a jamais rien. What the hell? Ouais. We followed James to this lighthouse so we could send out an SOS signal using the lamp. But there's something wrong with the power. Marcus went to check the two transformers powering the lighthouse, but he's been gone for hours. Someone needs to see what's happened to him and try to get the power back on. Par les Those things can't do to you what they can do to us. Maybe you can help us. Y'a pas de soucis, trouver Marcus et réparer les transformateurs. Yes. Allez, c'est parti. All right. Good. On va se retrouver avec une liste de quêtes comme ça. The are in the northern part of the gold bungalow area. If you can get the power back on, I'll let you voilà, into the storage. On pourra rentrer dans la remise et du coup. I'm Darwin, by the way. Ok, monsieur Darwin, merci mec pour l'info. Donc là, plus que deux quêtes à récupérer. Her name's Linda. She got beat up pretty bad out there. I don't even know how she managed to make it here. Probably made it on sheer adrenaline. Quand je vous ai dit qu'ils avaient tous les mêmes She needs painkillers and bandages. Can you see if you can find some? Oh, bah ça une facile. Yeah, I'll give you a hand. Thank you. There's a wrecked ambulance on the road to the bungalows and medical supplies in the lifeguard tower. I'm pretty sure you can find painkillers and bandages either place. Maybe there's a rescue car on the beach. Try to worry, okay? She's really suffering. Elle souffre, mais moi aussi je souffre, monsieur.
Mais moi je lui dis, mais putain, vous pouvez pas vous habiller, je pense qu'il doit avoir des vêtements les filles. Hein. I was in contact with the pilots of that plane that went down. It was full of passengers, and they said they were making an emergency landing near the edge of the jungle. 1 ou 2, je m'en rappelle plus. I lost contact with them after that, but if they landed that plane safely, maybe we can use it to get the hell off this island. Je le crois pas, je pense pas. Bon, écoutez, on va quand même chercher. Hey, that plane might be our ticket out of here. Ok. Allons voir. Déjà, commençons. On va aller déjà faire cette quête, voilà. On va déjà faire celle-là, et on va faire une par une. Et on va essayer de toutes les faire dans cette vidéo. Mais cette fois on a un véhicule, donc ça allait assez extrêmement vite, si je me gourre pas. Et donc de toute façon il n'y a pas de jauge d'essence et tout ça, c'est un peu dommage pour un jeu qui se veut un peu survival, tu vois. C'est chiant, c'est ces courbes là. Après, hop, on fait un petit virage, voilà, hop, on écrase quelques zombies. Putain, franchement, faut pas que je fasse chauffeur Uber, moi. Très mauvais conducteur, dis donc. Par contre, j'ai l'impression que tous les véhicules que je vois qui sont pour conduire, c'est des pick-up. Après c'est vrai que c'est les véhicules les plus résistants. Mais tant que ça roule, c'est parfait. Ok. Ok non c'était... Ah ça c'est à rendre la quête, d'accord. Chercher le mari de Kelly, un concierge au nom de Lune dans les bungalows diamants. Bon là sur celle-là du coup, on fait une petite marche arrière. 612, oh ouais, un peu loin celui-là. Trouver dans une ambulance ou un véhicule de sauvetage. Okay. Il y en a une à 120 mètres. Bah c'est parfait. On va déjà faire ça. Ok. Alors les amis, c'est la fête ? Hop, qui veut se faire couper la tête. Allez, venez les amis. Je vais me faire un plaisir de vous buter là. Allez. Ouh, on a fait que décapiter là. Il y en a un, on lui a enlevé le bras carrément. Bon lui on l'a défoncé, on lui a éclaté la tête contre l'ambulance. Donc ambulance où on peut quasiment tout récupérer. Ça c'est assez sympa. Nécessite compétence 2 en crostage. Portez la trousse à Jack. Ok mon ami. Et c'est parti. Est-ce qu'il y a d'autres choses à apporter? Apporter les balises similaires récupérées. Lorsque vous arrivez dans la jungle, trouvez l'avion. Trouvez une boîte d'antalgique et 3 bandages pour Linda. Ouais, il y en a une pas loin à 272 mètres. Allez hop, c'est parti. Vite, il y a un zombie qui s'arrive. Allez hop. On se recasse vers une autre mission. Ok. Ah bah non, celle-là je l'ai accomplie, je pense. Les portes du paradis, c'est trouvant près du phare. Trouver Marcus, c'est réparer. Ah voilà, c'était Marcus qu'on devait retrouver. Mais il est parti où ce Marcus? Putain, j'arrête pas de faire les allers-retours là pour trouver ce Marcus. En même temps, c'est plaisant de conduire. Hein. Moi j'adore conduire, les amis. Pas sûr que les zombies apprécient ma conduite, mais ça, je vais pas leur demander. Ok, on va y aller doucement. Putain, j'entends quelque chose quoi. Ok. Hey,
Ah, il a envie. Peut-être parler trop vite, moi. Alors là, on va pas se battre. Un peu de... Putain, ils savent manier les armes, les zombies, hein. Ouh. Et je vais carrément éclater le crâne. Hey. Ok, attends, mec, je vais juste récupérer des petits trucs, moi. Voilà. Ah. Name's Marcus. I was fixing this piece of shit when these things came out of nowhere. See if you can get that other transformer back online while I finish fixing this one. Pas de problème, Marcus. Go. Pas de problème, Marcus. Tu es lourd, on s'en bat les couilles ou pas? Non. On récupérera tout à l'heure s'il faut. Eh, Toto. Ah merde. Je l'ai fait. En fait, je l'ai balancé à travers le. Ça y est, j'ai perdu le nom. Le décor, il est mort direct. Coup fatal. Bonjour. Je cherche le terrain de baseball, les gars. Je suis pas encore très bon au coup de pied, mais. Je vais m'améliorer, mademoiselle. Attendez, je vais ajuster mon coup de batte, les gars. Oula, par contre, je m'attendais pas à me faire démolir là. Allez, viens là. Je t'accueille. Les bras ouverts. Ok. Bon, je pense qu'il y en a encore un là. Allez hop, je te kick les ass, mec. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Non, ok. Il n'y avait pas de civil à sauver. Ouf. Voilà. Ok, le transfo il est là. Et le transfo il est là. Et le transfo il est là. Alors. On met la souris en haut et on descend et on stop. Ah non, c'est pas ça. Hop. Ok, j'y suis presque. Je suis quand même prendre un peu le truc. Hop, voilà. Putain, ça a dû attirer les zombies en masse là. Ferme la porte. Je pense que ça pue. Ça pue les zombies qui arrivent. Merde. Oh, batte de baseball. En quoi là? Qu'est-ce que j'ai que je peux jeter moi? Ma manche à balai, ça sert à rien, tu vois. Hop. Et hop, on rééquipe la batte de baseball bleue que j'avais. Bon, on va prendre la pagaie, tiens. Je joue en pagaie, j'adore ma pagaie moi. Bon, bah c'est bon, je pense. On peut se... Ah, je peux pas sortir. Ah non. Ah non, 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 me fais pas ce coup-là, mec. Pourquoi j'ai fermé la porte? Oh, le con, putain. Oh, laisse-moi sortir, mec. Comment je fais pour sortir, là? À partir du dernier point de sauvegarde, tu t'abrises un petit point. Ça, je suis pas sûr. Je suis pas sûr là. Y a pas moyen de se téléporter ou qu'est-ce? Je me suis bloqué tout seul comme un con en fait. Bon, bah, je me suis bloqué les gars. Restaurer. Allez hop, j'espère que ça va pas m'envoyer à perpète les balles. That's it. Name's Marcus. Ok. Bah, on fonce. On fonce. Ouh, carrément. Ok, au fond, on transfo. On fonce, on transfo. Faut que je fonce en transfo et quand je serai là-bas.
Okay. Oh, this shit's getting tired. Allez, viens là. Ok. Toujours un bon tireur, moi. Couteau fait maison. Qu'est-ce que je peux récupérer? Là, y'a rien. Bon, attention, là-bas, je sais qu'il y a une batte de baseball à récupérer. C'est déjà ça. Une petite boisson. Ça, c'est cool. Au bord de la piscine. C'est toujours bon à prendre. Bon, au fond, sans transfo, là. Cette fois... Ah mais franchement j'ai fait bugger la quête quoi. Ah fait chier, pourquoi j'ai fermé cette putain de porte quoi. Pourquoi j'ai fermé cette porte. Ouais je l'ai dans le cul mec, je l'ai dans le cul là. Ça c'est cool, par contre je vois pas comment pour rouvrir la porte en fait. Voilà, je crois que j'ai vraiment bloqué cette porte en fait, je l'ai complètement bloqué. Remettez le transformateur en ligne, mais il est en ligne mon ami, il est en ligne. Je crois que j'ai fait tout bugger quoi. Bon, téléportation dans le temps. Et c'est bon, la porte est de retour, j'ai juste relancé le jeu du coup. Et hop, la porte est là. Bon, c'est vrai que... Ok, non, faites pas d'erreur. On active tout. Et la dernière. Ok. Là, on prend ça. Qu'est-ce que j'ai dans les mains? J'ai pas mal de choses, mais est-ce que j'ai besoin? Pénible, rude. Là, c'est quoi? C'est une bâton rude. Oh, ça m'intéresse pas, un bâton. Allez, on se casse. Et là, normalement. Ouh, je crois que j'ai attiré tous les zombies au monde. Ah! Les enculés, ils sont vénères. Allez, ramène tes fesses, toi. Allez, hop, on prend une petite bouteille. Allez, hop. Oh, fait chier. Allez, viens me battre. Allez. Allez, venez les gars. Attends, on a un catcher s'il te plaît. Voilà, hop. On se laisse faire. On récupère le couteau. Et on continue en avance. Ok, lui c'est fait. Ouf. J'ai oublié ça. Putain, ça. C'est toujours sans prenant, tu sais. Qu'est-ce qu'elle me veut. Ça c'est bon. Ils ont pas mal d'oseille quand même les zombies hein. Et je sais pas comment ils mettent de l'oseille. Ils sont tous en sous-vêtements ou en string ou en truc comme ça là. Allez, vas-y cours vers moi mec. Putain les couteaux c'est vraiment des armes de shité.
Ok. Ok, ok. Je sais même pas ce que c'est, mais j'ai l'impression que c'est... Ce qui gueule là depuis tout à l'heure, c'est pas un petit zombie, hein. All right, everything works. Go tell Darwin the good news. I'll stay here just in case the fuses blow when you start pulling power for the lighthouse. This is for you. Thanks for the help. Merci à toi, mec. Argent. The world's gone fucking mad. Allez hop, on prend le tuyau, je vous avais dit qu'on l'oublierait pas. Et du coup, on va finir quand même par une dernière quête. Et ça, on va finir par de la terre à la terre. C'est une quête qui est pas si longue que ça en fait. Ok. J'adore avec le couteau tu fais. Ça y est. Le type il est rassasié quoi. Alors nous on est où? On est là. Donc on va devoir partir par là. Et il y a une voiture par là. Moi ce que je dis c'est qu'on récupère ce véhicule là. Où est je sais pas comment il s'appelle là, le l'ancien copain de notre copine là. Et comme ça ça nous fait un moyen de locomotion assez rapide. Et après on aura plus qu'à rendre toutes les quêtes et qu'on a faites déjà. Et après l'épisode se terminera là. On n'avance pas trop dans l'histoire mais on avance déjà pas mal sur les quêtes secondaires qui nous permettent de débloquer l'histoire principale. Allez hop, on prend notre petit coucou. Allez hop, avec un petit ralenti. Oh putain, j'ai cru qu'on allait rester bloqué. Coucou. Dommage qu'on peut pas faire bip bip. Oh, this shit's getting tired. Allez hop. J'ai pas l'impression d'avoir que ça a été une bonne idée de venir ici. Po 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 po. Ça c'était un beau tir ça. Il est carrément arraché la jambe. Ok. Bonjour monsieur. Hey, hey you, go over to the door. Give me a sec to open it. Ouvre-moi la porte, mec. Vite, vite, vite. Come on, les gars. Quick. Ça va, les gars. Qu'est-ce que je dois faire avec ça? Jerrycan vide, jerrycan vide. Ok, mec, c'est bon. What, you want gas? Sorry, the pumps ain't working. Power's out and the generator's in the warehouse next door. Unfortunately, the front entrance is blocked. You know, maybe there's another way in. See, try the roof. That might work. Head out the back so they don't see you. And take some canisters with. Yo, once you get in, turn on the power and refuel those canisters. Now that we're here, we're not moving anywhere. It's too friggin' dangerous out there. Mm-hmm. D'accord. Donc allez allumer les pompes à carburant, ok. Oh, une pelle, carrément. Oh, je la veux. Oh, je veux la pelle. Je veux la pelle. On envoie le... On envoie quoi, la poubelle? Ah, des trucs faibles. Qu'on va mettre là. Et là, c'est... La pelle, s'il vous plaît, les gars. La pelle. Anything useful? Ok. On va prendre des shellycans. Voilà. Et on y va. Hop. Le mec, il est carrément comme ça. Allez, hop, c'est parti. Toi. Alors là, massacre à l'appel, s'il te plaît. Allez hop, on monte là-haut. On m'a dit que je pouvais passer par là, d'accord. Par ici aussi. Je sens que ça pue la mort ici. Hein. Allez, enlève-moi ça. Ok, on va prendre le couteau. Ah,
Allez, venez les gars. On va jouer avec la pelle. Venez, on va jouer avec la pelle de tonton. Allez, on va se jouer avec la pelle de tonton. J'en ai mis des trucs dans le corps lui hein. Ah lui il était il est tout chaud patate quand même. Pas trop chiant mais chaud patate quand même. Ok bon il y a pas mal de trucs ici. Oh putain le clé. Alors saloperie. Enculé va. Putain, on s'y attend pas. Hein. On s'y attend pas. J'ai cru qu'il s'était fait buter et tout ça, mais non. Cet enculé, il était. Pardon, j'ai dit beaucoup d'insultes. Mais ce petit PD se cachait. Ok. On enlève ça. Ça nous permet de. Ça nous bloque l'entrée. La sortie, pardon. Ok. Ok, on peut prendre des shurikens. On va prendre celui-là. Ok. Ouais bah c'est pas encore fini. C'est sûr que... Oh putain eux. You're gonna die. Oh putain ça. Ok les gars. Eh vous êtes chaud les gars. Putain. Wouah. Ils se sont tous sautés sur ma gueule. Ok. J'ai cru que j'allais y passer mais non. Ok, on maintient, on remplit Shaikan et on se casse. Mais je pense que je vais ramener tous les véhicules ici. Ok, on va faire ça. On va en mettre un là. Donc lui il est rempli. Moi je vous dis les gars, on fait. Ok. Ok, on va récupérer ce véhicule. Est-ce qu'on peut récupérer d'autres jerrycan? Non, on peut pas. Par contre, on peut boire un petit Pepsi ou un petit cola et on y va. Je pense que je peux pas récupérer d'autres jerrycan. Bah. Écoutez, on va ramener ça à notre ami. Putain, je me suis garé comme une chèvre. Comment on sort de là, là? Mais laisse-moi passer, merde. Ok. On va pas pouvoir passer par là. Faut que je remonte dans mon... Ah ouais, d'accord, il y a une sorte de d'arbre. Il y a un petit arbre qui est tombé. Oh, rien de plus simple, on va pousser cette voiture, on va la mettre... Là plus loin, voilà. Ok. Là on reprend le véhicule et on se casse. Allez hop. On va faire un peu de... Hell yeah. Dégommage de zombies là. Ça c'est un kiff ça. Boum. Alors les zombies. Ça c'est par contre c'est stylé quand il pète la fenêtre pour enlever le sang qu'il y a dessus.
Allez hop, j'arrive les amis, ouvre-moi le portail. Je suis là. Voilà hop, comme ça on sauvegarde le véhicule. Voilà c'est fait, t'avais besoin d'un jerrycan. Voilà, je te le ramène. Et on va rendre la majorité des quêtes qu'on avait ici. Hey, voilà Mac. This should do it. By the way, I'm Mike. I got the bodies piled up outside. Guess we better do this. Ah là. Faut bien les brûler hein. Mais bon, ça paraît peu quand même. J'ai tué bien plus de zombies. Mais je pense qu'en fait ils ont pris que les zombies qui étaient à l'intérieur, je pense. Ah, j'ai ma bagnole, wesh. C'est ma bagnole, c'est ma voiture. Ça c'est ma voiture, ça c'est ma belle voiture. Alors je suppose que j'ai des quêtes à rendre. You just saved a lot of lives, mate. You may have even saved Anne's. Thank you. Voilà mon pote, je t'ai... Ouh, il m'a donné quoi? Une faux moindre. Alors, on va remplacer encore un truc qui nous sert à rien, s'il te plaît. Un truc vraiment inutile. Bon, celui-là, allez, celui-là, il me sert à rien. Franchement, il est cassé. Okay. Laisse-moi sortir, voilà, hop, on prend pas mal de trucs, ok. Ensuite je parie, j'ai une petite quête à rendre ici, effectivement. You found her? They're still here. Fuck it then, I'm out of here. Ah oui, c'est vrai, il voulait savoir si on avait retrouvé ses potes. Ça c'est bon. Alors, est-ce que j'ai cherché les maris de Kelly, récupéré les balises? Vous pensez trouver l'avion, trouver une bande d'antagique. Bon, Linda, on les a trouvés. Dès les personnes se trouvent en point des phares, on a presque fait. Retournez voir Dyerwin. Allez au phare, récupérez. Ok. Donc, faut prévenir Marius qu'on avait fait ça. Mais là, on va juste rendre cette quête. Et la suite, ce sera pour la suite, mes amis. Salut, toi, Mike. Some fucking vacation, huh? I can help you out, though. You need a weapon, I'm your guy. Bricks and baseball bats can only take you so far. Torch them. They burn real easy. Get yourselves a couple of Molotov cocktails and you can burn up a whole mob of those motherfuckers. You bring me a couple and I can make you a few cocktails if you catch my drift. I'll do what I can. Good. I'm gonna need some empty whiskey bottles, vodka, whatever. There should be some around here. So you wanna burn? Good. I'm gonna need some empty whiskey bottles, vodka, whatever. There should be some around here. Je crois que je les ai déjà au fait. Good. I'm gonna need some empty whiskey bottles, vodka, whatever. There should be some around here. D'accord, en fait, ouais, il me fournit en cocktail Molotov. Voilà, j'en ai eu 3 gratos. C'est pratique. C'est même pas mal. Et voilà, on se finit sur cette petite vue pour l'épisode 3. En espérant que ça va vite s'enchaîner. Surtout que, normalement, quand j'aurai aidé Mike et Dominique, c'est-à-dire que j'aurai fait quasiment tous les trucs, donc ça c'est événement continu. Donc il faudra que je retourne voir Darwin. Ouais, Darwin, pardon, pas Darwin. Aider les personnes, voilà, près du fort et tout ça. Et je pense que j'aurai déjà pas mal fait et je pourrai enfin faire la principale. Et voilà, mais je pense qu'il me reste plus beaucoup de quêtes au niveau d'ici. Ah, ici il me cherche le mari de Kelly. Il me faut que je fasse le mari de Kelly. Pour cette zone, Marie de Kelly, j'irai le chercher, il est à 600 mètres, petite voiture, et on va y aller rapidement dans l'épisode 4, et on se retrouve d'ici là, bye!